Salut tout le monde et bienvenue sur Age of Mythology Retold. Je vous retrouve pour la mission 18, loin de son foyer. Chiron et ses nouveaux alliés doivent récupérer la troisième relique d'Osiris cachée dans un grand tamaris. Donc on a une histoire d'arbre là qui va être important. On est parti pour cette mission. Au nord, sur la rive du fleuve, pousse un grand tamaris. La tête d'Osiris se trouve dans son tronc. Chiron, des soldats approchent! Ah, des Nordiques, tiens. Je suis Niordseir. Nous poursuivons le Borgne. Nous suivons sa trace depuis Midgard. Le Borgne? Gargansis? Le Cyclope? Oui, il a réuni les géants, au nord. Midgard est presque entièrement détruite. On nous a demandé de le suivre afin d'empêcher Ragnarok. Ragnarok? La fin du monde. Avez-vous vu le Borgne? Il est ici. Nous le combattons aussi. Vous êtes avec nous? Oui. Ok. Andayo. UIR. Là, un éclaireur. Suivez-le jusqu'au camp. Ils peuvent peut-être nous aider. Yahoo? Enito. Bienvenue au camp, noble visiteur. Protégez-nous, et nous vous guiderons jusqu'au Tamaris. Kid. On va surveiller un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Il y a beaucoup de l'or ici, j'ai l'impression. Il y a des routes, donc j'en conclus qu'il y a des choses. Oh, un temple. Des momies menacent le camp. Cherchez et détruisez ces tombes dans le désert pour arrêter leurs attaques. Alors là, on a quelques villageois tout de suite. On va se mettre en route là. On va essayer de conserver les charrettes à boude. Ok, on a éliminé l'un des temples là, on va récupérer un petit peu d'or. Alors, qu'est-ce qu'on a au choix? Stobek ou Sekhmet? J'ai envie de partir sur Sobek avec les Pseutokos. Ouais, je vais partir sur Hathor Sobek. Puis on aura des sphinx comme ça. Là, on pourra faire très mal avec ce que le combo que je veux faire. Ah, il nous a repéré Gargarensis, évidemment. Par contre, là, il va nous falloir de la bouffe, là. Alors, c'est quoi cette relique? Augmente les points de vie des bâtiments. Ça, c'est tout. Je prends tous les jours. On récupère combien de points de vie avec le sphinx? 15% de plus. J'essaie de voir ce qu'il y a au niveau du Tamaris par curiosité avec Chiron. Je sais que j'ai vu quelques Anubites. Oh oui, d'accord, il y a quelques Anubites, effectivement. On va reculer. On récupère un roc et un pseudo-cos là, ça c'est très bien. J'explore un petit peu avec Chiron, on sait jamais. Et j'ai commencé à préparer des villageois aussi.
Aïe. Leye, esto. Une colonie là. Pulome. Malesta, esto. Ne. Oh, mais il y a beaucoup d'or ici. Malesta, ne. Panni, ne. Pulome, ne. Panni. Je vais faire quelques prêtres en défense, ça aura son utilité. S'il nous envoie du de la nuit à Gogo. C'est quoi comme relique? Oh, ça je prends tous les jours. Plus de dégâts contre les unités mythiques avec les héros, ça c'est oui. Grig. Kid. Voilà. Malesta. On a de la chasse, on va utiliser des charrettes à bœufs. Greek, are you refer? Etimani. Pulo malis esto. Ne. Pulome. Ne. Bon, là, y'a rien. Ah, si, y'a un tombeau. Ok. Ismaken. Je vais y aller avec cette. Je vais ramener cette cavalerie en renfort. Ouais, ils font mal. Akiron, il fait mal. Et pourtant, il a pas de bonus. Hein. Voilà, comme ça, on a rappelé le temple. Ah bah. Bon, on va perdre notre pseudo-cause vite. Bon, on a eu le prêtre là. Est-ce qu'il y a quelque chose là à savoir? Y'a rien. On va vite se sortir de ce guépier avec la cavalerie. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a tenu bon. Le pseudo-cause a survécu. Inito. Eh, mais attends, il y a une relique là, j'ai pas vu. Elle est où? Ah, elle est là. Les unités mythiques coûtent moins cher, ça, tu prends tous les jours. In which? Là, je ferai une deuxième colonie tout de suite, comme ça, on sera tranquille. Inito. Kid. On va commencer à préparer. Je ne prends pas la relique qui est dans le coin. Si, je la prends. Oups. Et en plus celle-là elle est très utile. Et je l'avais pas vu en fait avec le poteau. Enfin, la colonne en rune, donc après j'ai vu le petit symbole. Ça c'est fait. Deuxième monument de créé. Bon allez, on va monter au troisième comme ça on est sûr. J'essaie de voir où est le prochain tombeau. Si on peut en détruire le plus possible pour éviter que les momies nous attaquent, ça serait cool. Donc là, on n'a plus de chasse, malheureusement. Ah si, on a un éléphant, mais... que ça vaut le coup. Ça, j'ai cette body block, un petit peu petite technique des jokes pour éviter que mes éléphants prennent trop de dégâts face aux villageois. Donc voilà. Alors, Kiron. Malesta. Ne, esto. Je suis sûr qu'il y a une autre relique de l'autre côté encore. Ne, pulome. Donc là, on n'a plus rien. Je vais commencer à faire des murs là-dedans. Kid. Peut-être avec une ou deux tours de guerre en prime. Kid. Comme ça, les prêtres là, ils vont survivre aussi.
Skip here, baby. Oh, le roc, il peut faire un petit coup, là. Enito, Dayo. Prosecco. Il y a un autre tombeau, là. Oh, ok. Pane. Kalos. Peut-être que je déploie ma cavalerie pour détruire ces temples là-bas. Et si on récupère de l'or, c'est encore mieux, quoi. J'ai muré l'accès, je ferai une porte ici. Ce toko sera là, ça va être très important. Alors les gars, je voulais pas que vous passiez trop par là, mais bon, pourquoi... après soit. Hein. Something now. Till Orsterslag. Here we now. Cycle till Orsterslag. Parfait. Là, on a bloqué l'accès. J'ai tout de suite bâtir la colonie. Si on pourrait récupérer de l'or encore, c'est mieux. Et en plus, on a détruit le dernier temple. Ça, c'est parfait. Ça, on sera plus harcelé. Bien joué. Oh, une autre. Oh, deux autres leaks. L'infanterie s'entraîne plus rapidement. Ou. Alors, l'infanterie, je vais éviter. Et je vais prendre le truc qui rajoute des faveurs. L'infanterie ne va pas me servir ici. Pour le build que je veux faire, donc soyez pas choqués. Mais en revanche, l'encre de rage, je la prends tous les jours. Et peut-être une autre relique là. Comme là-bas. Bon, perd notre prince, tant pis. C'est tellement abusé quand c'est hors de portée. Là, y'a rien. Greek UIR. Donc là, on va essayer de faire le plus de tech possible. Nos chefs vont bientôt être engraissés, donc on... Dès qu'elles seront engraissées, on les consommera. Okay, on va vite déposer la relique pour avoir un peu plus de faveur rapido. Ok, on est pas mal là. Je vais développer ça pour avoir un petit peu plus de visibilité, ça pareil. Ça, ça va avoir son utilité, les points de vie des bâtiments. Le forum fortifié avec. Inito. J'ai tenté de faire une porte là. Je vais former un deuxième pseudo-cos. On va voir un petit peu leur puissance là. J'avais mis au moins une vingtaine de minutes pour bâtir des tours. Panne. Alors déjà, on a mis des... Oh, joli coup, ça. Esto. Kalos. Bulume. Panni. Prosta. Ismaken. Oh, joli. Ah.
Leia. Etim. Esto. Horo. Greek. I refer. U I R. Tayo. Proseque. Enito. U I R. Ok, ils envoient des unités un petit peu en continu, mais c'est faisable. D'accord. Toujours envoyer le pharaon aussi. Oh, headshot, one shot. Malice, horror. Il y a un forum pas loin. Je me demande si je devrais pas installer une tête de pont. Si on peut tenir un petit peu le coin, moi je dirais pas non. C'est pas ma vie tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Lui c'est quoi, c'est l'or? Ouais, un troisième sera pas de refus là. Ok, y a rien qui arrive à porter pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On va essayer de buffer un petit peu les dégâts. On va reculer, je pense. Ok, recule. Pourquoi il va dans le mauvais sens? Je vais pas me plaindre. On l'a abattu lui. J'abatte les prêtres, comme ça on sera sûr. Donc ok, on pourrait pas rusher comme on veut. Voilà. Etimos. Andaio. Proseque. Ne. Pani. Esto. J'ai encore ma calerie de réserve, hein. C'est pour ça que je fais attention. Qu'est-ce que je pourrais faire comme strat là? Greek, I-U-I-R. En vrai, à un moment, je pense qu'il faudrait que je me fortifie. Ça, j'aurais pas le choix. Que je bloque les accès ici et là. Prostaculo malesta. Oh, mais ouais, ah ouais, d'accord, il spam les Anubis ici. Oh, ok. Bien joué. Refer. Par contre là, il y a un des murs, il a pris un peu tarif. Hein. Bon, lui servira plus. Là on a un roc qui peut servir. Bon là l'or ça commence à fluer. Hmm.
ça c'est quoi? C'est de l'or ou c'est du bois? On va récupérer, on va faire le sphinx hiératique aussi. L'architecture sera très bien pour nos défenses. On va développer les fermes pour plus tard, ça sera toujours utile. On a une mine d'or là, on a encore des mines d'or ici, mais il faudra se blinder là. Greek Tayo. Init Greek UIR. Je vais rajouter deux prêtres en renfort, ça sera trop utile. Donc là on est avec au niveau 4, on a le choix entre qui et qui. Horus ou. Ok, bah je vais reprendre Osiris à la fin, ici. Il y a un marché qu'on pourrait faire. On va réparer notre mur. In which in your kid Greg Ak kids in your kids in which kids you I air kids Greg. Voilà, comme kids. Ça on aura une petite économie qui se met en place au niveau des fermes. And I on a un petit peu plus de bois là. Enito, Greek, Ayo refer. Inegir, Ayo. Enito, ça a tenté une attaque là. And Ayo. Aïe, aïe, c'est Horus. Greek, you I air. Yao, yao. Cette charrette là, on va la reculer. Skip, Ayo refer. J'essaie de les provoquer un petit peu là. Pulome. Malesta. Ah ouais, si je commence à spammer les photocalls, on peut se mettre bien. Ok, Francis, je vais la reculer. Voilà. On les a eu, c'est bien. Enito, I you refer. Skipan, yao. Atemos. I you refer. Je vais faire un baston de Migdol ici. Kids. Greek, you I air. Direct. Ah, erifir. Yao. You will. Yao. Tilbuen, something. You will. Leye, ulume. Something. Entio, in wechro, in yawet. In which kids? Entire. On va commencer à bénir un petit peu ici et là. In a Jirek. Et on partira sur Osiris, comme ça on aura un pharaon et un fils d'Osiris pour nous aider là-dedans.
Là, on voit un bastion de Migdol de l'enfer, mes amis. Et on prend tout de suite Osiris. On fait tout de suite les murs, comme ça on est sûr. Je me demande si je devrais pas partir sur de la méharée pour m'aider dans cet assaut. En vrai, des méharées contre les éléphants, on a vu ce que ça donne. Hein. Kid. In wedge. Entio. Voilà. In edge. Erec. Taio. Je tente bien un petit marché. Là, kid, comme kid. Ça, on fait un petit camp de mineurs. Kid, Bea. Entio. Greg. Tayo. Kid, Bea. Et j'ai envie le pharaon chercher tout de suite l'âge suivant, comme ça on est sûr. Ok. Bon. On arrive bientôt à l'âge suivant. Je vais faire de la méharée lourde. J'ai préparé une caravane. Je vais détruire ce marché. On verra combien ça rapporte. Attends, déjà, on va faire ça. Je vais faire ça. On a le fils de Zeus qui est prêt. Il va vite me rusher ça, là. In wedge, tile, Jira. In a dairy fair. And we agree. Are you repair? Oh merde. In a dairy. Ah l'enfoiré, il m'attaque sur le côté, d'accord. In UIR. Dio. J'ai perdu un de mes chars à deux, là, ça fait chier par contre. J'ai emmené 6 de Zias. Il faut que je fasse une défense là. Évidemment, on ne voit pas des petites attaques. Hein. Bon, ça va, on a réussi à s'en tirer. À quel prix? 45, là, c'est pas mal.
Ouais, il y a 4 passages directs sur la base. Ouais, il va où? Il faut que je bloque. Gereg, in wedge. Kid. Are you repair? In wedge. J'ai 2 pharaons, j'ai un fils d'Osiris, donc logiquement ça doit dessus. Ça devrait le faire, j'ai pas un fils. Estoro isma kepani esto impact lei ulume malista esto ne horo. Oh, ils m'en ont mis une flotte là. Stayo. Stayo. Enito. Greek and wheat. Bon, là, on a condamné l'accès, ça c'est bien. On va se mettre en position là. En vrai, avec tout ce qu'on a, logiquement, on va pouvoir faire le poids. Si c'est con, on va emmener ça en renfort et on va emmener nos bûcherons là-bas. Là, on va se retrouver avec une armée de Psotokosra, ça va être pas mal. Et je crois que je vais rajouter quelques prêtres en renfort. Attention. Ah ouais, ils envoient tout là. Je vais rajouter des tirs en soi là. Ah, ils ont mis un bastion de Midgol, je viens de voir. J'essaie de détruire leur tour à distance comme ça. On n'a pas assez de bûcherons, hein. On va en rajouter. Par contre, on va se faire aussi d'un autre tir. On va en avoir besoin. Ah.
Player. Prosecco. Oro. Je vais tenter d'abattre une bastion de Migdol là, comme ça on se mettra en position. Isporo! Piccoli! Pan! Ne malista! Il spam bien, Lio! Ne malista! Ismaken! And off! Si on avait vu ce bastion de Migdon, on peut se mettre en bonne position là. Bloque l'accès, génial. On va essayer de repousser. C'est non. Prosecco. Pulome. Enito. Grip. Je vais fortifier le mur tout de suite. Leihan, ne. Han. Excellent, comme ça alors on sera couvert. And with you I air. In a Atimos. Esto, pulo moro. Alors là, on va repartir, c'est un peu compliqué, hein. In what are you in deal? Ah, j'ai dit. C'est un coffre là, ça va aller sur le rassaut. Bien joué. Greek, are you repair? Dio, are you ready? I air. And you are. Growing your way. Et attends, on peut faire des petits tutoriels, hein, si on peut en profiter, vas-y. Hein. Bon, c'est un peu cheaté, mais bon. Un fils d'Osiris, c'est bien, mais deux, c'est encore mieux. Prosecco, provoquer avec Kiron.
Ulome, malista. Ne, esto, ismaken. Ah, leye. Horo, Ulome. Eh mais attends, il a envie de porter de 26, j'y pense. Allez. Oh bah lui, il a pas eu le temps. Init UI and Dio. Io UI R. Dio. UI UI R. Dio. UI R. Greek. C'est bien, le tamaris là il va vite tomber. Pas très écolo d'abattre les herbes. Ouais, je sais, mais bon, là c'est pas moi qui demande, c'est la mission. Bon, là on a pas trop le choix. Surtout que la relique qui se trouve à l'intérieur de ce grand tamaris, c'est la tête d'Osiris. Donc, on va faire avec, hein. Donc là on tient bien nos positions. Bon c'est terminé. Plus rien ne nous menace pour avoir de la relique. Voilà. Bon, un petit peu difficile à se mettre en place, mais une fois que vous êtes en place avec les défenses et tout, je pense que la mission elle se fait toute seule quoi. J'espère que cette mission 18 vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite de la campagne. Prenez soin de vous. Ciao ciao.